Et bonjour. Voilà, ah oui, on fait comme ça, c'est vrai. Bonjour, bonjour la caméra. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, Moi, à une époque, je bonjour, voulais bonjour plein de faire choses. Oh vœux de putain, ça y pauvreté. recommence. Et alors? Putain. Bah avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Quel enfer. Bonjour Alta. Donc, non, je ne suis pas en retard, évidemment. Comme le dira si justement Wisebot, 20h59-21, on est dans le bon tempo. Alors par contre, on va se calmer avec la musique. Hop, voilà. Ah, j'espère que vous êtes prêts à vous faire chier sur, sur Grimdawn. Hop. Avec cette fameuse musique de l'angoisse. C'est trop bien. Comment ça va, Alta? T'as passé un bon week-end? À mettre plein de beats partout. Bizarrement, je t'ai pas vu en mettre chez Dudul. Je me demande pourquoi. Fou la merde. Et bonjour, Forgeline. Comment ça va bien? Alors par contre, on n'entend rien, évidemment. Le son est tout cassé. Voilà. Ça devrait être pas mal, là. Vous me direz, hein, je rechangerai. J'espère que tu vas bien, Forgelune. Que t'as bien démoli... C'était qui? C'était la... Le Mexique? Mal, Sacred 2 a l'air de cracher de plus en plus. Aïe 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 aïe, c'est dur. Je veux bien comprendre. C'est un peu la merde. Hein. T'as mis à Dudu, mais il a une annonce du pauvre. Ah ouais, mais un peu comme moi, quoi. C'est normal. On est tous un peu pareil. Bon, on va continuer tranquillou. Mon petit chaman pour le moment, qui n'est que chaman. Hop. Ouais, j'ai tenté d'autres persos, mais ça m'a. Je trouvais ça un peu trop insipide, on va dire. Il y avait dont un build. Un build nécro qui était pas folichon. Ça va, ça rame pas trop, c'est bon. Tout va bien. Ça le fait. Et j'ai fait un build arcane également. En testant le. Je sais plus, ça fait un gros rayon comme la sorcière dans Diablo 3. Mais j'ai pas trouvé ça extrêmement foufou. Alors, ça pète bien, ça dépote, mais bon. Il me manque un petit quelque chose. T'as rien démoli, les Américains aiment pas les communistes, ils ont fait sécession. Oh là là. Pff, nul. Nul, nul, nul. Avant de commencer, évidemment, nous avons un nouveau follow qui a follow il y a 8 heures. Gage 110. Couilleur, Voilà. couilleur, couilleur, Il a le droit également couilleur. à son alerte. Honnête, César! Même si c'est un bot, les bots seront toujours contents. Donc, merci à lui. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais gardé ça sous le coude pour augmenter les dégâts. Ok. Ça, Osef, et ça. Voile de l'ombre, frappe de l'ombre, ça peut être pas mal sur mon autre perso. On va ranger ça tout de suite. Alors, c'est quel level ça? 16, hop, c'est très bien. Hop. Ça à vendre. Des soldats, j'en fais pas. Ok. Et après, ça peut être intéressant le reste. Ok. Ouais, c'est à fond, je commence. Mais hop, hop. Arme transperçante. Et du coup, j'ai mon petit totem. Ok. Donc on était parti pour la mine. La petite mine. J'espère que tu as rayé de la carte du coup les USA, que tu les as renommés je sais pas les Mormons ou un truc comme ça. Juste pour la drôlerie de la chose.
Alors. On va éviter de faire tomber. Évidemment, le thé, ça serait vraiment ballot. Non, t'as arrêté la partie, ça m'a saoulé. Putain. Encore une fois, on aura un nouvel épisode 1 qui n'aura pas de suite. Et ça, on aime. Je pense que tu devrais refaire un peu de Hiratus. Moi, ça me manque un petit peu du Hiratus. En plus, tu peux renommer les persos et tout. Ça serait et à un bien. Moment, ah. Le sorcier s'est mis à nous menacer avec ses parties génitales. Donc le sorcier ici, c'est du Dudule. Bon, visiblement, si le host maintenant, c'est parce qu'il a dû se faire défoncer par les magistères à la fin de l'acte 1. En ce moment, c'est un peu ça, ouais. Ah, y a des moments, écoute. C'est comme ça, Forge une. Ou faire un tout autre jeu, je sais pas. Après, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas... Ça se bouscule pas au portillon au niveau des jeux. T'as besoin de l'ouvert, mais après les magistères m'ont achevé. Oh merde. Ça c'est ballot. Mais GG quand même, Didule. Et bon joueur. Ok. Écoutez, tiens, prends un totem. Voilà. Et voilà pour ta maman. Hop. Eux on va les faire sortir parce que je sens qu'ils vont me saouler. Voilà. Voilà, crevez bien. J'aime beaucoup ce petit totem. Hein. Je vous le ferai dire, c'est sympa. Je vais peut-être avancer un petit peu pour, histoire d'avoir mes points et faire un petit peu le gros totem qui m'attend un peu après. Putain, par contre j'ai plus de... Ça me bouffe la mana à fond, les seins là. Ça me prend combien? 76, ouais. Ça pique. Non, je sais pas, tu devrais te faire un petit... Bah quoi qu'avec Sacred 2, ça devrait être cool, mais vu qu'il arrête pas de cracher, c'est un peu chiant. Ouais. Ouais, je pense Hiratus, ça serait pas mal en ce moment là. Un petit Hiratus là ou un petit Darkest Dungeon pour bien rager. Pour bien finir ta journée de merde. Bam! Un petit Darkest Dungeon et on est bien. Vous entendez assez la musique, ça va? C'est assez fort? N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Comme disent les pro streamers. Merde, putain. Complètement balancé Osef. Allez, le level 30. Good. Physique. Alors. Toujours des totems. Et du coup, maintenant, ça affecte jusqu'à 5 cibles. Et ça, c'est drôle. Ça, c'est ce qu'on aime. Ou bien Sacred 3. Non. Non, non. À la rigueur, je pourrais faire un stream de Sacred 3. Mais non. Non, non. Forge une, faut pas qu'il fasse Sacred 3. Il va péter un plomb. Parcas Dungeon, tu préfères Hiratus? Bah ouais, faudra revoir pour un Hiratus ou... Je sais pas, sinon fais-nous une petite liste de jeux que t'as à disposition et que tu peux lancer, et voilà. Histoire 2. Bon, on va défendre... Ah non, attendez. La nouvelle hache. Bah du coup, c'est moins bon. C'est fort, ça. Mais du coup, ça m'enlève 4 à essayer voir. Du coup, ça me descendrait également le coût en mana, à mon avis. Je suis à 76 en mana, et là, c'est 60, en effet. Du coup avec ça, ça me fait 160-570. Ouais, c'est largement mieux avec l'autre. Et ça, 286 et 203.
Oula, oui. Il y a même pas à chier, c'est nul. Bah j'ai bien fait de la récupérer, tiens. Pour aller la ranger. De décès, bon, c'est un petit, mais c'est déjà bien. Ah, j'ai un marteau sacré, souffrance de la banshee, je sais pas ce que c'est, on va voir ça après. Hop, ok, c'est bon, je suppose que c'est pour le c'est bon au niveau du son. Et je parais que en fait il me manque juste un level et je les passe. Bah, c'est un peu le problème des Divinity, quoi. Tu prends un level, bah t'es largement au-dessus et tu démontes tout. Mais bon, c'est ça qui est un peu relou. Putain, que des trucs pas pour moi, c'est génial. Chouette. 3% tous les dégâts, invoquer un familier, ouais bon, hein, du OZEF total, très bien. Après, faut peut-être que tu revois tes sorts, etc. Je sais pas. Que tu builds autrement ta team, que tu utilises plus d'autres choses, je sais pas trop. Mais je sais que déjà que dans la bêta c'était un combat très bizarre, parce que en fonction du build que t'avais, tu pouvais être level 8. Merde. Tu pouvais être level 8 et tu te faisais démonter. Et tu pouvais être level 7 et les démonter easy, quoi, en fonction des builds choisis. Donc, c'est un peu dommage. Comme quoi, tu vois, comme je disais Dudule, le problème de Divinity, c'est que si tu te tiens que aux quêtes, à la quête principale et à la rigueur une ou deux optionnelles, jamais tu passes. Donc t'es obligé quand même de faire beaucoup de secondaires pour espérer passer, quoi. Salut toi. Et ça, c'est, je trouve ça extrêmement dommage. Donc dans ce cas-là, appelle pas ça du secondaire, quoi. C'est du principal, quoi. C'est ça qui m'a... Tu vois, c'est des choses... Ça devrait pas exister, quoi. C'est pas possible. Putain, encore un livre de sorts de ces morts. C'est un peu relou. Ouais. Mais du coup, je trouve pas ça... Pas ça bon, quoi. C'est pas une bonne idée, absolument pas. Ou sinon tu mets toutes les quêtes sur un même pied d'égalité. C'est des quêtes, voilà. Mais ouais, moi je trouve ça relativement dommage. Bing, voilà, petit coup de masse, bien entre les deux yeux, là où ça pique. Hop là, wallé. Allez, venez. Voilà, j'ai pas mis un coup et j'en suis très content. Bah ouais, faut voir avec pour toi Forgeune, tu fais une petite liste de jeux qui t'intéressent et puis tu, je sais pas, tu peux nous dire si ça nous intéresse ou pas des jeux que t'as, hein, t'as pas besoin d'en acheter non plus, hein, faut pas déconner. Mais ouais, après comme ça on peut peut-être t'orienter sur des trucs ou des choses. Après c'est dommage, t'avais Sacred 2, t'avais l'air bien parti et là visiblement le jeu il a l'air de bien chier dans la colle. C'est un peu ballot.
Bah ouais. Bah surtout que si après avoir des crashs, si c'est juste quand tu, je sais pas, quand t'arrêtes le jeu ou des trucs comme ça, bon, c'est pas gênant. Mais là, visiblement, ça a pas l'air d'être ça, quoi. Donc forcément, d'un coup, ça devient plus chiant. C'est vrai, il y a le nid ici. Putain, il va falloir que je fasse un truc pour l'énergie. Il va falloir que je trouve un truc. Il va falloir que je trouve aussi des résistes au stun. Il va falloir que je trouve un item qui me donne des résistes au stun. Crever les golems. Bing. Il fallait que j'aille parler à Quaid. Je crois que c'est un peu plus loin. Bon, désolé, hein, j'explore tout hein, comme d'hab. J'aime bien. Après c'est pareil, je sais pas s'il y a des jeux qui t'intéressent plus que ça en ce moment, Forge Inc, que t'attends, que... T'es en attente de certains jeux. Si, il me semble que tu m'avais parlé d'un jeu à la civilisation, mais je me souviens jamais du nom. D'accord, joli. Bah, très bien. Hop. Un point de dévotion. J'étais là. Good. Ok, j'ai fait ça. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Tu voulais faire un hack and slash. Ah. Tu sais un petit peu. Merci au fait Dudul hein, pour le host. Hein. Je sais même plus si je t'ai remercié, mais je préfère le refaire. Merci Dudul. Je sais plus aussi. Bah, je suis un peu le héros des hack and slash, mon cher Forgeun. Je t'avoue que, bon, pour le moment, c'est pas fifou. Après ça, Crossroad Order et Stag, ok. Je t'avoue que Volsen, ça a rejeté quand même un petit froid. Mais après, à la rigueur, t'aurais peut-être Last Epoch qu'avait montré Dudul. Qui pourrait être intéressant pour toi. Beaucoup plus que Volsen, je pense. En tout cas, plus que Volsen à l'instant où on se parle, c'est-à-dire le... Donc on est le 8 novembre. Le 8 novembre. Putain. 8 mars. Mais voilà. Retendez PoE. Bah oui, carrément. Après, je suis pas sûr que PoE soit le... Le jeu vraiment fait pour ton envie d'hack and slash, je ne pense pas. Sinon tu peux toujours faire du Diablo 3. Hein. Nous on sera juste sur ton stream à se moquer, évidemment, comme des gros sacs. Après tu peux tenter un Titan Quest si tu l'as, un Grim Dawn... Il y a vraiment... On va dire que les bons hack and slash, c'est pas trop ce qui manque. C'est quand même un genre qui est relativement au minimum bon. Après, bon, il y en a certains qui réinventent rien et voilà. Mais bon. C'est pas un genre trop dégueulasse quoi. Même si Volsen, bon,
peux dire le contraire, mais au moins dans ces mécaniques, voilà, c'est du vu ou du revu, mais bon. Ça reste un genre de jeu où normalement peu importe le jeu que tu vas prendre, tu devrais y arriver. Après Volsen, c'est juste qu'il est complètement buggé et pété de partout. Donc voilà. Sinon tu peux faire les genres les. Enfin, c'est pas vraiment des hack and slash, mais dans les mécaniques ça s'en rapproche, tout ce qui est The Division, des trucs comme ça. Ghost Recon. Surtout que ça se joue beaucoup en coop d'ailleurs. The Division. Ce serait peut-être intéressant pour toi, The Division. Forge de Lune. Ça reste des mécaniques de hack and slash, du loot, un boss, une arène, voilà. Après, faut voir si tu l'as ou si tu l'as déjà testé et que t'aimes pas ou des choses comme ça. Bing. Rien d'autre. Une dernière. Ok. On se barre. Non, Volsen, ça t'a pas plu. Mais après, comme je t'ai dit, t'as The Division, même si c'est pas vraiment du hack and slash. Mais de par les mécaniques, ça. C'est quand même relativement similaire, on va dire. Après Volsen, voilà, c'est pour l'instant c'est juste une reskin de D3 avec plus de runes et voilà. Et c'est comme si tu pouvais mettre plein de runes sur ton sort principal. Après, là, cette époque, ouais, peut être cool. On va dire que là, cette époque a du potentiel. Ah, est-ce que ce serait là? Ah oui, alors ici, si je me souviens bien... Il y a des casse-couilles. Pas besoin d'un autre vagabond. Ok, je suis que passé, salut. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Il y a Scylla, ce qu'elle a. Nouvelle dans le village, hein. Tu vois, cet aura est sous notre protection. Ok. Moi, vous voulez travailler, vous devez faire demi-tour à rentrer, nous n'avons rien à donner, nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous attire des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, oui, bah, c'est avec Cronley, justement. Donc il me semble que le groupe de Cronley, en fait, a la main mise sur ce village. Ouais, ça c'était les survivants. Et du coup, la bande de Cronley leur est tombée dessus. Et il bosse pour Cronley maintenant. Il les utilise un petit peu comme des esclaves. Comme des esclaves. Voilà, tout va bien. Mais au moins pour moi, il est trop jeune. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Donc le truc, c'est que soit je peux m'en foutre, soit je peux tous les buter, soit je peux filer simplement de la ferraille. Et ça, en fait, il me semble qu'en fonction de la quête, le village peut disparaître, en fait. Je vous en prie, si vous voulez vraiment nous aider, rassemblez plus de ferraille pour notre tribu et levez-le à Scylla. Ah, c'est ça, ici, ils sont remarqués si Scylla venait à disparaître. Et donc, on va aller lui filer directement. J'ai la ferraille. Ok, et donc, normalement... Ils sont tranquilles.
Parce que sinon, il me semble que le village disparaît. En fonction du choix que l'on fait. Bon, sinon, je suis en train d'avancer, moi, pour ma partie de Baldur. Je suis en train de chercher un petit... une petite classe que j'ai pas faite ou que j'ai peu faite. D'accord, les gars, calmez-vous. Donc... Après, est-ce que je fais juste une classe pour BG1 et je ferai un autre perso pour BG2? Ça m'emmerde un petit peu, mais bon. Je trouve ça fait pas très roleplay. Je serais bien parti sur un palouf pour aller jusqu'à... Comment dire? Pour aller jusqu'à BG2. Mais, évidemment... je dois être loyal bon et j'ai pas envie d'être loyal bon. Et que si je fais de la merde, ben je serai plus paladin et ça sera encore pire. Parce que le but, ça serait de refaire une team avec, avec ceux que j'avais pris pour mon premier let's play. Et de pousser un petit peu encore les curseurs. Pour aller, pour faire encore plus, etc. Perso, tu aurais conseillé Hellgate London, c'est plus son style d'univers, il me semble, la Forge 1. Je connais deux noms, mais alors je serais incapable de te dire ce que c'est. Mais le nom me dit quelque chose. Après ouais, faut voir ce qu'il a envie de jouer, etc. aussi. Après là il était plus sur la base d'un hack and slash, mais c'est vrai que ben, là, la saison de PO devrait plus trop tarder, je pense. Ça va être la semaine prochaine, je crois, le lancement, non? C'est pas ça? Je sais plus. Ah, c'est un Ken Slash Hellgate London. Ça me dit rien du tout. C'est bizarre, pourtant je commence. Enfin, j'en connais quand même un nombre assez important. Et, le nom me dit quelque chose, mais je pensais pas que c'était un Ken Slash. J'irai voir. Donc voici Quaid, bienvenue dans notre camp. Ok. Alors, s'il a réussi à passer derrière, c'est un sacré fils de Slit. Il a encore une balle en lui pour le prouver. Si Mornay vous envoie, c'est qu'il doit penser que nous pourrons nous entraider. Cronet est bien armé. Hein. Ce sont derrière la loi. Ok, on va là, leur casser la figure. Et donc lui, il veut de la gelée royale. Ça tombe bien, j'en ai déjà. Il finit de débaumer la gelée royale. Et la recette pour le faire. Et là, on a un Gulgoth à buter qui serait une espèce de troll. Ah, je l'ai déjà, ça, à mon avis. Ok. Alors, on va vendre nos merdes. Bah du coup là ce serait meilleur. Putain, je comprends rien. C'est bizarre ça. Bref. On va vendre... Non. Ça, est-ce que c'est cool? 21 d'esprit... Ouais, bof. Il faut de l'extraction, esprit, résistance aux éléments et deux osselets. Je perds 10% de résistance à l'éther. Bon, la résiste élément, j'en ai pas foncièrement besoin. Et j'ai pas envie de perdre 10% d'éther. Ouais, en plus, je suis déjà dégâts de foudre, etc. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir à peu près tout lui vendre. Je vais essayer de garder que les trucs. Vraiment les items de set. Ah, totem de temps. Ah oui, mais bon. Bah non. Bah oui, mais bah non. Ça non plus. J'avais rien là-dedans. Et ça, faut que je sois 32. Non. C'est pas cool. Ok. Bon, on va poursuivre. Je vais tenter de continuer sur Sacred 2.
Ouais, et t'as été voir par exemple, je sais pas, sur. Tu l'as sur quoi, Sacred Tooth? C'est sur Steam? C'est peut-être que sur les. Comment? Sur les onglets, tu sais, discussion, etc., ils doivent peut-être en parler justement des crashs ou des choses comme ça. Il y a peut-être un petit bug fixe à mettre ou une connerie. Des fois, c'est tout con. Ah, la reine. Non, c'est pas la reine ça. Ok, là, il y a la mine. Et là, il doit y avoir l'enfoiré qui a démoli. L'autre trou du cul. Waouh. Des pop, merci. Bing. Hop. Ça fait déjà une quête de fini. Moi, Steam, bah ouais, bah, du coup, va voir peut-être ouais, sur les groupes de discussion et tout. Je pense qu'ils peuvent en parler. Justement. Ok, c'est tout. Détruire les forges de bandits. Ah oui, c'était ça là. C'est vrai. Je viens de m'en souvenir. Après, si Grim Dawn te plaît, tu peux aussi le. Tu peux aussi essayer de le tester. Hein. Oula. Oula. Voilà sa mère. Après, je pense qu'il est encore un peu cher. Enfin, voir peut-être sur une promo, un de ces quatre, mais. Après, le truc dans Grim Dawn, c'est que t'as vraiment des grosses possibilités pardon, de build et tout, donc... T'en as déjà pas mal qui sont préfaits, entre guillemets. Tu peux faire les propres à toi, tu peux... Voilà. Il y a quand même pas mal de possibilités, et ça, c'est cool. Tu peux reset tes stats aussi. Il y a plein de choses intéressantes. Ah oui, ça c'est l'arène avec le gros monstre, ça non? Je sais plus. Mais des sets de décès, toi, merci. Francky le couteau. Gang de Cronley. Nous sommes de votre côté, ne tuez pas. Pourquoi vous êtes dans une cage? Le bazar qui se passe là-dedans, c'est un... Dans la mine. Ce qui est dans la mine. Non, nous attendons notre retour auprès du maître de la fosse. Et donc on voit que Cronley lui aussi a un peu succombé au pouvoir du cristaux vert. Allez, barre-toi. Petit con. J'ai Grim Dawn, mais il me fait pas rêver. Ah. Bah après, ouais, je sais pas. Après, entre faire rêver et passer du temps dessus, passer du bon temps dessus... Il y a un petit monde. Surtout que maintenant il y a la VF, donc c'est quand même plus simple pour éviter de se faire chier à essayer de traduire des choses un peu chiantes. Il y a, pour une fois, sur Hack and Slash, il y a une espèce de lore, donc c'est pas mal. T'as une arme level 3 pour le prince rouge. Ah. Ouais, je pense que même avec une arme level 6 ou 5 ou 7, je pense pas qu'il y arrivera du...
Et ça, encore une fois, c'est sûrement à cause de ces putains de builds. Ça, c'est un reproche que je ferais toujours à Divinity, c'est que c'est trop build. Enfin, si t'as pas un build un peu pété, c'est chaud. La dynamite. On va m'atteindre, c'est de la dynamite. Putain, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Et reviens, voilà, revenez près de moi, ça c'est ce que je préfère. Voilà. Voilà, quand ça... Voilà, là ça a bien tapé. Ça c'est ce que j'aime. Chaîne de suprématie. Bing, 2 sur 3. Des trucs nuls. Après, je sais pas ce que t'entends par faire rêver non plus, Forgeune. Je sais pas ce qui te motive dans un hack and slash. Vu que PoE, c'est pas tout à fait ta cam. Ta cam, c'est plutôt du D3, donc je suppose c'est plutôt un truc relativement fun très rapidement. Et y a pas de mal à ça d'ailleurs. Bien au contraire, si on joue un jeu et qu'on s'amuse pas, c'est quand même pas ouf. Mais au moins, Diablo a ça pour lui. Putain, j'aurais pu monter là, mais abruti man. L'arme de ton DPS a doublé. Et PO, il aime pas la step. Pas qu'il peut oublier, il reste que Volsen. Là, on est à 2.0. Ouais, mais non, mais faut pas voir PoE2 comme un. Enfin, c'est un autre jeu, hein, PoE2. Ça va être. Voilà. C'est pas une simple mise à jour, quoi. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, ça, c'est sûr. Il y en a qui passeront peut-être pas le cap de PoE2. Hein. Comme il y en a qui n'ont pas passé le cap de Diablo 3. Hein. C'est exactement pareil. Après, comme je dis, soit on est d'accord avec ce que nous propose l'éditeur. Et du coup, ben, tant mieux. Soit on n'accepte pas, ou ça nous plaît pas, ou voilà. Et dans ce cas-là, ben, on voit d'autres jeux et puis c'est tout. C'est pas grave. Après, en général, des hack and slash où faut se prendre la tête, c'est quand même difficile. Je sais que PoE, il y en a beaucoup qui aimeraient bien vraiment s'y mettre, mais quand tu te sens obligé de faire un build avant même de pouvoir jouer, c'est un peu chiant. Ça, je reconnais que à ce niveau-là. D'ailleurs, ben, pour faire un petit peu le parallèle, c'est un peu comme. Comme Pathfinder Kingmaker. Si tu connais pas déjà les règles de base de Pathfinder, pour que ton perso il soit bon, ben, bon courage. Moi, j'ai la chance de connaître un peu Pathfinder. Ça va, je connais on va dire la base, mais même avec juste la base, c'est pas suffisant. C'est un peu dommage. Bah oui, c'est ce que je disais. Du coup, t'as pas envie de t'emmerder. Après, PoE2, il sera différent, les trucs des gemmes sera toujours pareil, voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une base, c'est comme Diablo. Diablo, même si le gameplay, on va dire, enfin non, pas le gameplay, le système de skill ou de points est différent, ça reste du hack and slash, ça reste buter des monstres avec des sorts et voilà quoi. Un peu comme n'importe quel hack and slash.
Je sais pas pourquoi je pète ça, ça sert à rien. Bravo Carzo. Encore une fois, hop. Mais calme-toi, Carzo, calme-toi. Bing. Bing dans les molaires. Je préfère m'y remettre à 2.0. Ouais. Bah après ça t'empêche pas de découvrir le jeu tranquillement de ton côté et puis voilà quoi. Même si tout ne sera plus vraiment identique, il y a quand même une grande majorité des sorts qui seront toujours là, etc. Le gameplay ça sera le même, etc. Il y aura les mêmes combinaisons, c'est juste plus de choses en fait. Mais le reste sera là. Après, faudra voir aussi comment sera Diablo 2, s'il sera gratos, payant. Je sais plus s'ils l'avaient annoncé. Il me semble qu'ils avaient annoncé. Non, je crois pas qu'ils l'avaient annoncé d'ailleurs. Je sais plus. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils changent de modèle économique vu que ça marche pour eux. Donc. Faut pas que tu te formalises trop à ce genre de truc, Forgeline. Ça restera du PoE hein, dans l'essence même. Ce sera toujours autant de combinaisons pétées dans le jeu. Il y aura toujours un cyclone, hein, t'inquiète pas, il sera toujours là. Mais voilà. Après, franchement, si tu veux pas te faire chier à. Voilà, fais du D3 et tu fais des tourbilol. Il n'y a pas de mal à faire du tourbilol sur D3. Tu as le droit. Bah juste ne pas dire ouais non je vais pas jouer à D1. Non pas Diablo 1, à PO1 parce que PO2 sera différent, etc. Je pense que raisonner comme ça c'est pas une bonne manière si tu veux jouer à PO2, parce que tu vas te dire, bah ouais, mais tous ceux qui ont joué à PO1, du coup, ils ont quand même l'avantage de connaître un peu les systèmes et tout. Donc, du coup, tu seras quand même, entre guillemets, désavantagé par rapport à ceux qui connaissent PO1. Et du coup, ça va un peu te dégoûter, voilà. Peut-être. Enfin, moi, je te conseille plutôt d'essayer. Enfin, de re-essayer. Vu que tu avais déjà essayé. Mais voilà, après si tu cherches plus du jeu en groupe, etc., je pense pas que PoE2 sera différent en ce sens. Parce qu'il me semblait que c'était ça surtout dans tes streams, si je me souviens bien. Tu me diras si je me trompe, mais que le fait qu'il y ait peu de jeux en coop ou voilà, ça t'emmerdait un petit peu. Voilà, décès. Non, pas du tout. Non, il me semblait que c'était une de tes. Un de tes regrets sur PoE, qu'il n'y avait pas assez de coop. Enfin, que c'était plutôt vraiment plus solo qu'autre chose. Mais je peux me tromper. Hein. Allez, venez décéder s'il vous plaît. Merci. Ouais, bah, tu peux venir décéder. C'est pas mal aussi. Voilà, on s'amuse. C'est guilleré. Au pire, t'attends CK3. Et d'ailleurs, ils ont sorti une date pour Crusader Kings 3, non, Dudul?
Je me rappelle plus. Après, sinon, tu peux attendre également encore et acheter Flying Simulator 2020. Hein. Bon, ça sera pas du hack and slash, mais tu pourras survoler Bordeaux, le Canada, la Seine-Saint-Denis, les plus belles tours des scènes de Saint-Denis. À bord d'un petit coucou, et ça, c'est pas mal. Non, pas encore, juste 2020, ok. Enfin, 2020 est bien entamé, donc à mon avis, là, faut s'attendre à ce que ça soit vraiment fin 2020. Un truc du genre novembre. Sinon, il l'aurait déjà annoncé depuis un moment, je pense. Vitalité éthère, la résistance au froid, 48%, la vache. Mais non. Toujours ces foutus trucs de feu, là. Gzz. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait le tour, mais j'ai pas été chercher mon petit point de dévotion. J'ai dit tout à l'heure, mon point, c'est... Je sais plus. Ah, les annales d'Arcovia. Voilà. Je suis pas pressé pour CK3. Tout comme CK, il va être archi-buggé. Ah, moi, c'est pas qu'il soit archi-buggé, c'est qu'il va y avoir archi-plein de DLC, surtout. Ça va être la blinde. C'est toujours Paradox, de toute façon, qui est sur les CK. Hein. Alors, plus de physique, malice, résistance à l'éther, perfo. Je perdrai juste un d'éther pour beaucoup de choses en plus. Par contre, je ne serai plus capé. Non mais résiste. Soixante-trois, 570, 60, 576, 205, 203. Compliqué. Après mon taux d'armure. Je prends un vent en taux d'armure, ouais. Je vais peut-être quand même le garder au cas où. On va voir. On va voir. J'ai juste hâte pour ça. Le système 3D nous permet également d'ajouter d'autres fonctions intéressantes comme le vieillissement en douceur, l'incrustation de maladies. Tout petit se transformer graduellement en adulte et éventuellement, sauf des imprévus, en un ancien jet de 100 ans. Ce personnage que le ciel vous en protège attrape une maladie. Attention, le contenu de base CK3 sera le même que CK2 avec DLC. Putain, ça va être bien lourd. Hein. Ça promet. Ah oui, merde. Donc, j'ai eu mon point physique. Alors, mes totems. Hop, on est reparti. Donc, au prochain niveau, 6 cibles. On est bien. Et donc, un point de dévotion. Alors, fallait que j'aille chercher du. Je ne sais plus. Putain. Non. 3 secondes de mémoire. Ordre. Order. Le jaune. Donc celui-là. Ça. Ordre. Ce sera. J'ai dit quoi? Stag. Je crois que c'est ça, Stag. Faut avoir la marque de l'assassin ou pas? Je ne sais plus. Peut-être pas. Physique performance. Non, c'est pas ça, Stag. Je vais aller voir c'est lequel Stag, je ne sais plus, j'ai un doute.
Grim Dawn. Non, c'est le. Mais oui, je suis con. C'est l'élan. Le stag. Il était en plus en torchlight. Où est-il l'élan? Ah, il est là. Ok. Donc Bing, physique saignement, physique vitesse de déplacement, résistance à la perfo, de la vie, de la capacité d'offensive et 30% à tous les dégâts de représailles. Et 24% de dégâts physiques, 24% de dégâts de saignement et 3% de résistance physique. Ok. Dac. Alors en avant. Allez, vas-y mon petit totem. Le totem est bien puissant. Je vais peut-être aller voir là quand même. J'ai dû y passer, j'ai dû le voir, mais non, je l'ai pas vu. Bien joué, Carzo. Toujours bien regarder sa map. Ça peut toujours aider. Donc oui, moi pour moi par rapport à Baldur, parce que vu que Altaï veut que je fasse Baldur, je recherche toujours un petit une petite classe à faire pour faire le 1 et le 2. Enfin le 1, l'extension, enfin les, le 1, l'add-on du 1. Ensuite Siege of Dragonspear, puis le 2, puis l'add-on du 2. Tout ça pour être exact, et je sais pas si je fais juste un seul perso pour tout faire ou si je change de perso à chaque fois. Donc je voulais faire un palouf, mais je peux pas par rapport au perso que je prends. Donc je suis en train de chercher. Là, je suis peut-être plus parti vers un berserker mage, donc en dual class. Mais alors je sais que c'est viable par rapport au haut niveau. Mais est-ce que c'est viable dans Baldur 1? Pas sûr. Après je pourrais faire des classes, du cheat. Mais bon, pas d'intérêt. Je préfère montrer quelque chose. Ou alors je pourrais refaire la classe que j'avais fait dans mon premier playthrough. Mais bon, j'ai peur que ce soit un peu redondant, quoi. Donc, je suis en train de potasser tout ça. Et comme d'habitude, ça me prend une blinde de faire tout ça. Des mecs sadiques. Qu'est-ce qu'on aime ça? Un truc aussi par rapport à la au mana de ce build qui me pompe un peu trop beaucoup. On est par là, voilà, très bien. Hop, décédé de décès à toi, voilà, très bien. Et sinon, bah, pourquoi pas tenter un run de Pathfinder, mais alors là, vu que je suis pas assez. Je suis pas bon, j'ai peur que ça dure trop long, que ça traîne en longueur et que ce soit pas très intéressant. Ah, d'Irani, ah oui. Je crois qu'il est méga fort lui, il me semble.
Alors lui, en fait, alors il me semble qu'il est venu avec l'extension de Ashes of Malmuth. Il me semble. Hein. Je suis pas persuadé, mais il me semble que c'était lié à ça. Et en fait, derrière lui, il y a une porte où en fait, on va faire un petit, un donjon. Mais c'est un donjon où on peut pas faire de... Comment ? Tu peux pas partir en fait. C'est comme un petit donjon roguelike, voilà. Mais il faut une clé spéciale, il me semble qu'il faut une clé squelette ou un truc comme ça pour pouvoir y entrer. Si je dis pas de bêtises. J'en dis peut-être. Ouais, je vais juste terminer là-bas et je vais revenir. Hop. Comme d'hab. Ouais, du coup, ouais, je sais pas. Pour Baldur, on va voir. Je réfléchis. Là, je suis parti sur le Berserker. Donc, Berserker Mage. Il y aurait le Clair Mage qui m'intéresserait, que j'ai pas fait. On pourrait faire une triple classe aussi, un guerrier mage voleur, alors qui serait très bien pour faire justement BG 1 et 2, mais dans BG 1 j'ai peur que ça soit que mon perso mette beaucoup de temps à décoller. Ou alors jouer des classes que je connais pas du tout, c'est à dire un moine, mais moine dans BG 1 on va se faire chier. Et je crois qu'il y en a un déjà. Je sais qu'il y en a un vu qu'il y a Dudul là à utiliser. Ce qui est bien avec le moine, c'est que dans le jeu de rôle papier, vu que tu vois pas ton perso, tu t'en fous totalement de son stuff. Quand tu joues à un jeu vidéo et que tu récupères des pièces de stuff et que tu peux rien mettre à ton perso, c'est nettement moins drôle. Hop, cassez-vous les guêpes là. Dehors. Allez, on bourre. On bourre à Cabourg. Donc voilà. Par rapport à Baldur. Donc Pathfinder, j'ai expliqué, c'est un peu... c'est trop abstrait un petit peu pour le moment à faire en stream, ça risque d'être chiant. C'est surtout pour jouer en complément de Grimdawn, quoi. Parce que faire que du Grimdawn, je pense que ça va être un peu lourd pour certains. Non, je fais pas de tirage au sort. Surtout pour un Baldur. Je veux pas faire un truc complètement aléatoire. Si la classe j'aime pas la jouer et qu'il n'y a aucune perspective à haut level, c'est pas très intéressant. C'est relativement sympa, mais je perds des dégâts de vita. Celui-là, il est assez pété, mais c'est que pour du DPS et ça m'intéresse moins. C'est dommage. Après, de toute façon, dans tous les cas, on partirait sur un jeu qui sera relativement long. Alors évidemment, Pathfinder sera 1000 fois plus long que Baldur's Gate. En tout cas, dans sa seconde partie.
Parce que Pathfinder est extrêmement long. Et vu que je le connais beaucoup moins bien. Bon. On va dire que le premier acte ça va, mais après. Après c'est compliqué. J'y passerai beaucoup plus de temps. Donc c'est pas. C'est pas un choix à prendre à la légère, on va dire. Surtout dans le cadre d'un stream. Parce que si je passe mon temps à dire bon bah là, faut que je fasse des choses, mais je sais pas trop. J'aime bien ne pas me planter. Quoi. Ou alors faire un bon vieux JRPG à l'ancienne. Pourquoi pas un Grandia ? Enfin quelque chose dans le style quoi. Un truc que je connais, que je maîtrise. De 7 appleur de sauvagerie hache à deux mains épique dégâts de foudre plus 507 de dégâts je pense que je vais apprécier alors voyons ça alors ouais, du coup c'est la même que j'avais mais ok 26% de dégâts de saignement. Ce qui peut être drôle. Mais ça manque de résistance. Donc ça emmerde. Ça on s'en fout. Des flingues, ça. Putain, dégâts de foudre en plus 94%, 35 au dégâts élémentaires. Ok. Ça va falloir que je vois quand même. C'est intriguant. Alors. 156, 576. C'est moins bien, très clairement. Pourtant avec toute la masse de dégâts, vache. Et donc celle-ci... Ah, il n'y a plus que 186. Alors pourquoi il n'y a plus que 186? Peut-être parce que j'ai pas ça. Ah oui, parce que ça c'est conféré par l'objet. Ok. Normalement c'est mieux quand même. Ah ouais, d'accord, je vois le problème. C'est l'esprit. Parce que ça doit me donner de l'esprit. Et ouais. Merde. Ouais, ça c'est con. C'est con. Disons que le premier acte, je le déteste, tu te sens forcé de rush à cause du timer. Ouais, mais en fait, il est quand même large le timer, donc c'est pas très important. Au final. Mais c'est vrai que ça peut être stressant, on va dire. Bon, bah du coup, on va garder notre arme pour le moment. On verra plus tard. Je pourrais rajouter ouais, en plus c'est tout con à mettre. Je vais peut-être aller le faire d'ailleurs. Ouais, je vais le faire maintenant parce que je sais que j'ai des trucs qui me rajoutent 8 points dans certaines stats. Donc il faudrait que j'en mette 2 en tout cas sur 2 pièces d'équipement. On va aller voir ça vu que j'en ai une blinde. No problemo. Alors qu'est-ce que c'était par contre? Je crois que c'est ça, ouais. 8 de physique, 8 de malice et 8 d'esprit. Même si je les change plus tard, c'est pas grave. Donc j'ai dit 159, 588.
Et ben c'est quand même moins bien quoi. C'est ouf. 214 à la vie. 211. Non, 300. 314. Ah non, il n'y a même pas à chier, hein. C'est de la merde. C'est de la daube. C'est ouf ça. Et ça c'est pareil alors. Ouais. C'est pas juste dû à mon petit dégât de perforation. Je pense pas. Je ne pense pas. Après c'est vrai que le timer stresse pas mal de gens et plus que le timer c'est la gestion du royaume qui fait chier. La gestion du royaume c'est pas ouf. Ça dégage. Encore un film à la Comte du Dul, ça. Encore un film pas du tout fait pour Carzo. Chut, faut rien dire. Alors, 200... Ouais. Truc sympa. Rien, ok. Et ben c'est top. Allez, on va vendre toute notre merde. Ah, c'est un show de catch. Ah, c'est la WWE là. J'allais dire WWF, mais non. Ça, c'est pour les animaux. Trop dégâts. Pas la peine. On va ranger tous les trucs. Mais comment tu mates ça toi? Tu sais, ça passe sur une chaîne spéciale ou tu veux mater ça sur internet, sur un vieux stream dégueulasse sur internet, d'accord. Parce qu'il me semblait que c'était que des pay-per-view normalement, tous ces trucs là, donc je suppose que c'est en accès dissimulé, on va dire. Faut payer. Mais bon, toi tu es un petit malin et tu payes pas sur internet. Ah, on est déjà au boss. Ouais, par contre, on va commencer par péter tes cristaux. Parce que bon, j'ai pas envie de me faire chier. Donc voici Cronley. Cronley, on le voit, il a un peu cédé à la tentation des cristaux. Tu connais des sites, comme tout le monde. Hein. En même temps, j'ai envie de te dire que à la base, Twitch, c'était Justin TV. Hein. RIP, petit ange, Justin TV. Et Justin TV, c'était très bien pour regarder, pour regarder les matchs de foot qu'on pouvait pas payer, quoi. Donc bon, finalement, l'un dans l'autre. Hein.
Voici Cronley. Alors comme ça, le chien de Bourbon est venu aboyer. Tu devras arrêter d'essayer de jouer les sauveuses. Ça ne va pas. L'humanité est déjà condamnée, une nouvelle puissance se lève, monte à bord comme je l'ai fait ou va vers ton extinction. Mais c'est pas tout à fait vrai, les éthérés vont avoir besoin de vaisseaux. Alors je suis sûr qu'ils garderont quelques humains domestiqués de leur entourage à élever comme hôtes. Tu sais, j'entends dire que tu avais été prise quand ils t'avaient trouvé, et je gâche que ta progéniture ferait de bons hôtes. Pourquoi t'en as pris à la prison? Mec, tu connais déjà le vainqueur. Ah, c'est cool ça. C'est pas évident, le passage du diable est peut-être une prison, mais il est comme une forteresse et il contrôle les routes vers Berwich et vers l'ouest. Les éthérés veulent qu'on le capture, et tu sais, autant que je voulais m'évader de cet endroit, autant je suis devenu nostalgique. Cette fois, c'est moi qui jouerai les directeurs et je compte bien m'amuser, tout comme le vieux Krieg. Donc, Krieg, c'était le boss de, entre guillemets, acte 1, quand on remonte tout le côté droit, tout d'abord. Tu sais quoi, donne-moi le passage du diable et je placerai un mot pour toi. Peut-être que les éthérés te garderont dans les parages pour faire de toi un reproducteur. Soit ça, soit je serai heureux de faire les choses de manière douloureuse. Douloureuse pour toi, on s'entend. On ne peut pas mettre fin à ça pacifiquement. Quel genre de poulouiller Bourbon m'a-t-il envoyé? Tu connais pas Darius Crowley? Avant que les éthérés n'apparaissent, j'étais la plus grande menace, l'ennemi public dans le coin. Mon nom inspire des cauchemars aux enfants et fait marcher les hommes au plus vite dans les allées sombres. Je vais te démonter lentement, morceau par morceau, comme je l'ai fait à tant de victimes avant toi. Je dois dire que je vais vraiment m'en délecter. Donc, un mec extrêmement gentil, hein. Un bon chaotique mauvais. Le vainqueur n'a pas encore été assommé, mais bon, tu le sens venir à 100 à l'heure. Ok. Bah écoute, tu vas décéder, mon petit vieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Non, par contre, tu vas rester là, parce que moi, je vais mettre mes petites tourelles. Donc il est pas extrêmement fort, mais voilà, il a beaucoup de points de vie, il a des bonnes résistes, donc c'est un peu relou. Ouais, surtout quand il fait ça là, son putain. Moi, à une époque, je voulais faire pauvreté. Altagi, ça. Et alors? Bah avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Ouais, c'est terrible. Hein. Des choses terribles. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Bute-le. C'est ce que je m'empresse de faire, Alta. J'ai déjà mis à moitié mid-vie, mid-life, enfin plus que mid-life, tiers de life. Non. Hop là, reviens. On est bien là, on s'amuse, c'est cool. Hop. Voilà. Enough of this. Die. Putain, t'es vraiment méchant. Die! Bon, bah voilà. Mais sauf que c'est toi qui va die. Et voilà. Alors, fusil, Osef. Et la chevalière de Cronley corrompue de roussissement. Lacération, cercle du massacre. Je sais pas c'est pour quel build ça. Ça peut être intéressant. Hop, paf, dans les fesses. Carabine, on s'en fout. Livre de sort. Et œil de l'observateur. Get chaos, poison, plus d'esprit, résistance à l'éther. Oh, chemin des trois. Pass of the tree. Ça serait bien pour mon autre build, je crois, ou celui-là. Non, c'est l'autre. Ok. Good. Toujours ça de prix. Et moi, la WWE, ça devient de la merde. Je commence à me tourner vers AEW. Je sais pas ce que c'est, donc je pourrais pas te dire. Hop, première partie, deuxième partie. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Le roussissement, il m'a dit. Avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Merci, Alta.
Donc il y a une note de Crowley. Bon. Ce que je pourrais faire en fait, c'est vous laisser le texte. Et faites pause. Amusez-vous. Voilà. Mais le lore est cool. Alors, un amas d'éther. Cet amas de cristaux d'éther, donc là j'ai deux choix. Sans être lié, a l'air d'être la source de la corruption. Sa destruction devrait voir la fin des desseins insensés de Cronley. Vous entendez de faibles chuchotements dans votre tête à mesure que vous vous en approchez, comme si une multitude de voix vous appelait à l'intérieur du fragment. Détruire le laboratoire de cristal ou détruire le laboratoire, mais garder un morceau du cristal pour vous. Je ne sais plus. Est-ce que mon build me préconise quelque chose? Je ne crois pas. Nope. Du tout. Donc dans ce cas, quand ça se passe comme ça, je casse tout parce que j'ai pas envie que ça se répande. Boum, et voilà. Et un petit succès. Bing. Uncover Darius Cronley's Secrets. Et voilà. Il n'y aura plus de secrets. Terminé. C'est la version catch pour adulte, alors que la double c'est plus pour les gamins, tellement c'est censuré. Bah, c'est pas censuré, la WW aussi. C'est juste que le catch, c'est pas. C'est juste un divertissement, tout est travaillé, etc. C'est pas du MMA, quoi. C'est pas du foot, c'est pas. Voilà. C'est juste des carrières à la. Comme des acteurs en fait. C'est juste ça. Aux autres fédérations. Mais censuré par rapport à quoi? Parce que censuré, non, c'est. C'est juste qu'ils sont du fric monstre et voilà. C'est simplement un divertissement. Il n'y a aucune. Tout est déjà écrit à l'avance, si tu veux, donc il n'y a aucune... Il n'y a rien, quoi. Déjà, il peut pas avoir de sang. Oui. C'est normal, parce qu'il ne se tape pas vraiment. Donc forcément, s'il ne se tape pas vraiment, il peut pas vraiment y avoir de sang. Ni gros mots. Ouais. Je pense pas que ça soit non plus une grande perte. Enfin, pour moi, en tout cas, non. Je vais pas plus regarder un truc parce que y a du sang et des gros mots. That skill not ready. Ok, et donc je récupère celui-là. Palda. Ceux qui regardent voyageuses, les sauvages qui vivent là-haut, dans les quatre collines, ont détruit cette structure autrefois magnifique dans un effort pour prendre leur victime. Sans le pont et avec la route du col du contrebandier lessivée par les tempêtes, la voie vers le nord est nous est barrée. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Il y en a un autre, mais vous seriez folle de l'attendre. Ça se trouve dans les ruines de l'ancienne cité d'Arcovia. Ok. Mais pour le moment, on va retourner voir Quaid pour les quêtes et on va retourner aussi jusqu'au début, au passage du diable. Merde, c'est pas ici? Ils sont où ces trous du cul?
en août. Je me rappelle jamais. C'est terrible. Où ils sont ces trous de balles? Merde. Codex. Codex. Journal. Dans le vieil Arcovia. Ah, il fallait que je remonte peut-être. Ouais, je suis con, je suis revenu là, c'est là, putain. Abruti. Abruti, man. Je me suis planté. Ouais, j'ai détruit les Vorges. Pardon pour un peu de travail. Martin Bourse Pleine. Ah bah bravo. Il a gagné son surnom en explorant de beaux voyageurs tels que mon vieux groupe. Et quelques mois, Martin et sa bande nous ont pris sur la route exigeant tous nos objets de valeur. Ok. Sauf que je l'ai déjà tué. Voilà, bravo. Vous êtes impitoyablement efficace. J'espère qu'il a crié à l'aide. Je sais pas, j'ai pas écouté. Un peu vrai, ouais. J'ai trouvé des textes qui pourraient vous intéresser. Ok, donc ça c'est fait. Négociant récupérateur. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Non plus. Ok. Par exemple, t'auras jamais ce genre de truc à la WWE. Non, c'est sûr que tu n'auras pas ça à WWE, Dudule. Ça, je t'en fais le serment. Merde, du coup, j'ai pas remis ma fenêtre de stream, voilà. En même temps, c'est normal. Et voilà, Darius, c'est terminé. Et il n'avait pas Elsa. Perhaps she escaped and ran for Homestead. Now that we're not in any imminent danger, we need to deal with a more subtle enemy. Faut que je trouve Barnabas. Ok. Allons voir Barnabas. Je disais oui, c'est normal qu'il y ait pas ça parce que plus ils vont toucher un large public, plus ils vont trouver des ventes de produits dérivés, etc. Donc c'est normal. Ouais, pour les enfants ou pour les gens qui ont pas besoin de voir des trucs comme ça non plus. C'est pas que... Faut pas s'attendre... Enfin... Faut pas penser que c'est juste... Bah non... Il y a pas de sang donc... C'est pas pour les enfants. Vu tout ce qu'ils voient maintenant... Voient pardon, pas voient. Tout ce qu'ils voient maintenant à la télé etc... Merde, oh non. Putain mais quel abruti. Chut. C'est des trucs pour les enfants, ça veut pas dire grand chose. Les couilles par contre c'est beaucoup moins... Comment? C'est moins propre on va dire. Mais c'est normal, ça s'adresse pas aux mêmes personnes, donc voilà. Après, je suis pas sûr qu'il gagne plus de pognon à faire ça. Bien au contraire, même. Après, c'est tout simplement que la double. Enfin, là. Le catch ne s'adresse pas au même... Ne s'adresse pas à tout le monde. Surtout pas de la même manière. Le catch, c'est drôle. Parce que c'est un peu con-con, quoi. Ce qui a toujours été à peu près le catch.
Et c'est pour ça que les enfants vont voir ça, parce que c'est plus des acteurs, des acrobates même pour certains, parce qu'il faut voir les trucs qu'ils te font, c'est quand même des sacrés bébés, et bon, c'est quand même fort ce qu'ils font. Que là, c'est juste pour envoyer des mecs dans des barbelés. L'intérêt est vite limité. C'est un choix à l'américaine, quoi. C'est juste fait pour voilà, éblouir là, les petits et grands. Bienvenue à toi, Génialo. Bienvenue. Bonjour, comme on dit ici. Quel bon vent t'amène. Es-tu un lurqueur de l'ombre? Dis-nous tout. Si t'as envie de le dire, d'ailleurs. J'ai pas pris mon level. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors, Alta? Bah avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Que se passe-t-il, Alta? Ah, Alta dit bonsoir, évidemment, en envoyant des bits. C'est logique. Disons que la plupart des catcheurs qui ont quitté la WWE pour la AEW, c'est parce que la WWE, en général, bloquait la création des personnages alors que l'autre, ils sont totalement libres. Ouais. Bah, tant qu'ils y gagnent, voilà, c'est un peu le principal, quoi. C'est un peu le but, de toute manière. Qu'ils en aient pour leur argent, eux aussi, en tant qu'artistes ou acrobates, acteurs, enfin. Ça regroupe quand même beaucoup de catégories, au final. Showman, j'en sais rien. Toujours à Grimdon et j'aime à regarder un stream en jouant, du coup je vais lurker dans le fond. Ah bah, bien à toi, Génialo. Assieds-toi, sors ta plus belle souris, ton plus beau clavier mécanique qui va faire clac 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 clac. Et il joue, c'est parti. Fais-toi plaise. Et si t'as des questions à poser, des conneries à dire, peu importe les sujets, ne te gêne pas. Ici, on est quand même relativement libre. Donc voilà. Si t'as envie de nous parler de ta passion pour les dés à coudre, il n'y a pas de souci. Nous écouterons avec un intérêt, évidemment. Somme toute modérée liée aux dés à coudre, mais pourquoi pas? Tout cela peut s'entendre. Soit la WWE, une manie de gâcher les gros potentiels pour faire revenir les vieux schnocks au bord de la retraite juste pour vendre des billets. Bah oui, mais c'est tout l'intérêt. C'est que les vieux schnocks, ben, c'est des noms, et les noms ça fait vendre, et voilà. C'est comme tout. Pourquoi l'Ariane a sorti Baldur's Gate 3 d'après toi? Voilà. Ça fait plus venir les gens. Alors, Balvoruk. Spam, j'ai entendu parler de vous. Je suis Balvoruk, de l'ordre de la Vigile de la Mort.
Vos exploits portent à croire que vous pourriez bien être celle dont j'ai besoin. Ok, une mission. Ok, il a pour purger la terre de plusieurs esprits malveillants. Donc dedans, il y a plein de bordel. Il faut bannir les esprits de Nomos Dread, Ludos Vagra et Rovena Court. Ok, bah on va voir ça. On va voir ça en temps voulu. Ok. Et voilà, c'est juste une question de pognon, hein, du lointain. Là-dessus, y a rien de neuf sous le soleil. Hein. Si les jeunes ils font pas le poids, si le mec il a pas un peu de. Un truc en plus, ben ouais, ils font revenir les anciens pour la gloire, et voilà. Hein. Ça a toujours été comme ça à WWE. Après c'est pareil, hein, c'est un show. Donc si le mec qui fait le show il rapporte pas assez ou qu'il a pas assez de. Si le mec est pas assez tendance ou quoi, ben chut, il dégage. Hein. C'est comme sur Twitch, hein. Si on n'est pas assez tendance, Dudul, on va se faire liquider. Il faut faire de la vue, Dudul. Il faut jouer au dernier jeu. Oui, alors. Carzo, les points, voilà. Et... Ok. Donc on va être bientôt max. Une fois que ce sera terminé, le totem de tempête. On finira par bourrer jusqu'au 40. Aller chercher tempête corrompue. Pour convertir les dégâts de foudre en vita. Ça sera bien pété. Et après, je ne sais plus par contre. Du coup, Grimdon, c'est pas un très bon choix pour être en vue. Ouais, tu sais, ça dépend. Génialo. Regarde, la preuve, t'es venu parce que tu joues à Grimdon. Donc s'il y a des FR qui jouent à Grimdon et qui veulent voir un stream de Grimdon, je suis là. Merveilleux, n'est-ce pas? Non, mais... Enfin, je parle de vues, mais bon, tu sais, si je voulais faire des vues, je ferais d'autres jeux. Et j'ai un travail à côté, donc j'ai pas du tout besoin de d'avoir des vues, etc. On est vraiment sur un stream tranquille où... Voilà, il se passera jamais grand chose, mais où on peut parler, discuter un peu de tout. Et c'est un petit peu ça que je cherche à faire avec, avec ma chaîne Twitch. Parler de jeux qui m'intéressent moi. Et tout simplement discuter d'un peu tout, l'actualité des jeux. Là, tu vois, on parle de la WWE. Quelle chance t'aurais eu de tomber sur un stream de Grimdon où j'allais parler de catch? Voilà, ben, ça c'est stream à la Carzo. C'est ça part toujours en cacahuète. Plus évidemment Alta qui dépense son pognon débilement en claquant des bits. Les gens ont tout compris. Donc Corrupt Storm, ok. Et ensuite je faut que je max ténacité du sanglier, cœur des terres sauvages, ok. Et Storm Touch. Donc ça, un point. De toute façon, c'est que sur un, comme d'habitude. Et ensuite, je max celui-là, Cœur et Terre Sauvage. Pour augmenter ma vie, ma régène. Et enfin... Non, ténacité du sanglier d'abord, celui-là. À maxer et enfin celui-là et j'aurai des points à mettre pour ça, touché par la tempête. Et une fois que ce sera fait, on choisira le nécro pour conjuguer ma classe de chaman avec la classe de nécro pour faire un build ritualiste. Mais c'est chiant de voir un perso adulé par la foule être battu en 10 secondes top chrono par un vieux qui arrive plus à faire une prise correcte. Bah ouais, mais c'est comme ça mon cher Dudu. Hein. Si le mec il attire plus la foule alors qu'il a 70 ans, bah écoute, c'est ainsi.
Ce qui est triste, c'est plutôt que les autres n'arrivent pas à capitaliser sur leur image, quoi. Surtout que maintenant, avec tous les réseaux sociaux et tout, c'est quand même logiquement plus les jeunes qui devraient être promus par rapport à tout ça, et au final on revient toujours au même quoi. Alors, point de dévotion, j'avais dit c'était l'élan, hein. De saignons 609, ça pique là, hein. Ça pique un peu, mais sauf que c'est pas eux qui décident qu'ils perdent. Ah bah ça c'est des arrangements financiers, hein. Et après ça veut pas dire que parce qu'ils perdent ils y gagnent pas, hein. Au contraire, hein. Parce qu'ils savent qu'ils feront des revanches, des machins, des trucs, voilà. C'est le catch, c'est un peu le... La revanche du retour numéro 3. C'est un peu c'est un peu One Piece, quoi, tu vois. c'est le truc qui se finit jamais. Bah on va aller à la cité. Il est quelle heure là? C'est combien de temps que je stream? 1h43 et il est 22h42. Ok, ça va. Il y a le temps. Alors en fait tout à l'heure j'ai dit vraiment une grosse connerie avec le mec qui était devant le portail, mais je crois que c'est dans ces ruines là qu'il y a l'espèce de squelette à la con. J'ai vraiment dit du caca, hein. Waouh. J'étais persuadé que c'était là-bas. Hein. Je sais pas pourquoi. Allez, saignement. On y va. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oui, j'ai plus de mana, machin. Ta mère. L'aura de feu qui fait chier, qui m'ignite. Voilà. Bravo. Félicitations, t'es décédé. Bravo. Je vais me faire des Involtini devant le catch. Des Involtini. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Seule la Belgique nous réserve des choses comme ça. Ah oui, je crois que là il y a du monde. Tant mieux qu'il y ait du monde. Allez, venez, hop. Entrez dans la danse, tout le monde danse. Allez les gars, sortez-vous les doigts. Hop, allez. Et que la fête commence. Je l'avais même pas vu lui. Ça décède. Ah merde, il y avait le mur. Non. Je l'avais pas vu. Ah
J'allais demander à Alta s'il avait eu des nouvelles de le live, mais je viens de repenser qu'il faisait pas de live le week-end. Ils avaient sûrement peur de prendre trop d'argent. Ils voulaient m'en laisser un petit peu. Je peux les comprendre. Je les en remercie d'ailleurs. Ok. C'est des pattes, non? Ah, alors attends. Tudule nous a sorti le truc. Putain. D'accord, donc c'est quoi? C'est des roulés de. C'est quoi? C'est du bacon, non? Des roulés de lard avec du fromage dedans. Bon, vu comme ça fait un peu. Mec qui dégueule quand même, mais bon. Ah ouais, non, c'est vachement trop sophistiqué pour moi. Hé, hey, t'as vu ça, Dudule? Putain, je commence à reconnaître les aliments, quoi. Là, c'est fort. Y a rien de sophistiqué, là. Hein. Un petit roulé de machin, et hop, en avant. Easy. Easy à faire. Après, faut vouloir le faire, c'est différent. Oui, parce que Dudule ne cuisine pas à 7 ou 8 heures, non. Dudule va commencer à cuisiner, il est 22h40. C'est normal, c'est du ordule. Dudule, tu devrais faire des streams cuisine, en fait. Tu vois, j'ai trouvé ta vocation, Dudule. Un petit stream cuisine comme il faut. Et on est bon. Bing. Voilà. Passage oublié. Ok, j'ai le deuxième et donc le troisième est là-bas. Entendax. Voilà, prends ça. Non. Là-bas. Allez, décès de décès, merci. Ok, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. C'est cool. Mais ça, je dois l'avoir déjà également. C'est ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Des chamallows dans du lard. Ouais, c'est vrai, Forgeune, ça fait un peu penser aussi à du chamallow. Mais bon. Je suppose évidemment que dans du lard, Dudule va pas mettre du chamallow. J'ai l'air que tu cliquais pas sur les nouveaux totems. Sur les nouveaux totems. Ceux-là? Ici? En fait, c'est bindé sur ma touche A. Donc j'ai pas besoin de cliquer. Voilà. Hop. Le totem. C'est tout. Le reste, c'est juste des. Ceux-là, c'est pas des totems, c'est juste mes passifs en fait. Non, sur les totems, sur la map. Ouais, les gros totems verts? Si, je le fais. À moins que j'en ai oublié un tout à l'heure. Mais normalement, je le fais. J'ai pas fait gaffe. Peut-être que j'en ai raté un. Hein. Mais si, je l'ai fait, parce qu'il y a y a quand même pas mal de stuff dedans. Donc, généralement, il y a un bleu dedans. Donc, c'est toujours bon, mais c'est possible que j'en ai loupé un. Hein. Ouais, le loot est cool, mais c'est nouveau ça normalement. C'est depuis la 1.1.6.0. Parce que sur la 1.1.5.2, il n'y en avait pas. Donc je suppose que ça a été un ajout. Alors pourquoi, je sais pas. Je pensais pas qu'il y avait besoin de rajouter du loot, ce genre de truc, mais bon, écoute. On prend quand même, c'est appréciable. Je vais pas dire non à du loot dans un hack and slash quand même. Ça serait dommage. Oh.
Ok les gars, calmez-vous. Alors qu'est-ce que tu joues toi, Genialo? J'espère que je prononce ton pseudo correctement. Qu'est-ce que tu joues comme classe? Est-ce que ça fait longtemps que tu joues à Grim Dawn? Est-ce que c'est tout nouveau pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer à Grim Dawn? Pourquoi ce hack and slash et pas Volsen? Pourquoi je joue à Grim Dawn et pas Volsen? Voilà. Beaucoup de questions encore sans réponse, auxquelles j'espère, Genialo, tu me répondras. Répondra, ça n'existe pas, puisque le verbe répondre n'existe pas dans la langue française. Ok, patate man. Écoute, tiens, prends des patates de mon truc. Voilà, patator, dégage. Il y avait un coffre. Ah oui, c'est vrai. Cela, faut le faire péter à la dynamite. Mais je sais plus si ça en valait la chandelle et si je vais avoir besoin de dynamite. J'en aurai besoin plus tard, ça c'est sûr. D'accord, non, il y avait rien d'autre là. Ok. Bah écoute, on va le faire péter. Hein. Bing. Du pognon. Des petites choses, ok. Ma foi, je prends. Infiltrateur, lame de nuit, inquisiteur. Ah, bah j'ai un autre perso qui est lame de nuit aussi, mais pas inquisiteur. C'est lame de nuit, je sais plus. Mais c'est un autre truc. C'est sympa, mais je sais pas, ça me... Enfin, c'est comme d'hab avec mes builds, hein. Je les commence et je les finis jamais. Hein, donc, je suis terrible pour ça. Ah voilà le premier, Nomus Dread. Mais pourquoi je balance des... Mais n'importe quoi, Carzo. Voilà, merci. Allez Carzo, démonte-le. Voilà, très bien. GG. Ah, t'as 700 heures dessus. Oula, oui, t'es largement en avance sur moi, Genialo. Est-ce qu'il joue sur mobile? Exactement, c'est vrai que c'est une bonne question, Forgeline. Joues-tu sur mobile? Est-ce que tu vois aussi, tu joues à des jeux pas cool, du style Summoner's War? Volsen, t'attends un an ou deux que l'hype soit parti avec les bugs. Enfin quelqu'un de sensé. Pourquoi je fais ça alors que ma cam est là? J'en sais rien. Si Starcraft 2 est un jeu de guerre, alors oui. Ah, c'est pas un jeu de guerre à la Forge 1, parce que lui il préfère les jeux de guerre. Les jeux de guerre où t'as des gros chars et où il faut payer pour être le plus fort. Mais Starcraft 2, c'est très bien. Bon, évidemment, Blizzard l'a un peu abandonné. Hein. D'ailleurs, je me demande s'ils se rappellent encore qu'ils l'ont dans leur main. Hein. Visiblement, ça a pas l'air de les traumatiser plus que ça. Mais bon, comme d'hab avec Blizzard, hein. Ils reviendront avec un remaster de... où ils vont se pondre le 3 comme ça à l'arrache. As usual. Ah, donc 700 heures, non, moi je dois avoir une... Je dois avoir quoi, 200 heures dessus. Et encore, j'ai jamais fait de niveau... je suis jamais là en ultimate. Parce que ça, en fait, ce qui me dérange dans Grim Dawn, c'est que tu te refasses... ad vitam aeternam, toujours, tout le jeu entier, pour passer dans les... Les difficultés supérieures. J'aimerais bien avoir un perso direct en ultimate et voilà. Ça c'est le reproche que je lui fais, c'est ça. Calme-toi petit monstre.
C'est le seul, la seule chose que je peux lui reprocher, c'est voilà, être obligé de revenir, enfin de refaire le jeu plusieurs fois. Je trouve ça un peu chiant. Même si bon, après faut juste bourrer quoi, mais bon. Je trouve ça un peu dommage quoi. C'est ce que faisait PoE à la base et au final ils ont plutôt fait des actes, ce que je trouve bien mieux. C'est mieux amené, on va dire. Même si bon, c'est une revisite des anciens trucs, mais bon. Au moins c'est un peu différent. Je trouve ça un peu plus intéressant en fait. Allez, venez vers mon totem les gars. Faites-vous plaisir. Oh merde, je les ai oubliés. Magnétite fendue. Payer pour être le plus fort. Quoi? Forge une, voyons. Tu sais très bien que pour défoncer les gens à World of Tanks, il faut payer. C'est obligatoire. Enfin, si tu veux avoir un classement honorable, t'as pas trop le choix. La différence est trop grande, malheureusement. Je suis pas sûr vraiment qu'il ponde un 3. Ouais, non. Bah, franchement... Vu l'état actuel de Blizzard, vaut mieux pas qu'ils pondent un 3, non. Je pense que le chiffre 3 chez eux, ça va être pareil, ça va commencer à devenir une sorte de névrose. Hein. Donc non. Qu'ils ne fassent pas de 3, qu'ils laissent le 2 tel quel, et voilà. Tu peux acheter un token. Ouais, mais je crois que tu peux le faire, mais que par perso, en fait. Je crois que c'est une fois que tu as terminé... au moins une fois le jeu de base... Si j'ai bien compris, avec ton perso, tu peux aller directement. Tu peux acheter en effet un token pour aller directement en ultimate. Je crois que c'est ça. Si j'ai bien compris. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'il faut le recommencer à chaque fois, quoi. C'est pas un truc qui se débloque après pour l'ensemble des autres personnages, tu vois. Moi j'aimerais bien avoir une grosse difficulté dès le départ et puis voilà, on chiait des ronds de serviettes et ce serait, enfin pour moi ça serait mieux. Après je suis pas sûr que je représente totalement la masse, mais je suis trop fin pour représenter la masse. Je me fous du classement sur WoT. Ouais, mais même si tu veux, t'es... C'est quand même rare où t'arrives à aligner plus d'un char par partie, quoi. C'est un peu... Le déséquilibre est un peu grand, je trouve, entre ceux qui payent et ceux qui payent pas, quoi. Ou même ceux qui payent de temps en temps, d'ailleurs. Après, je pense que c'est des jeux aussi où tu dois jouer qu'à ça, quoi. Au moins, tu rentabilises le truc. Mais bon. Ça, faut aller à l'acte 7 en ultimate avec un perso au moins. Ouais. Vous voyez, il y a un boss de Blizzard et de EA qui se sont rencontrés. Le mec d'EA a dit à l'autre, même pas capable d'être aussi nul que nous. Et bim, Blizzard a réussi. Non, mais c'est terrible. Hein, mais le chiffre 3 pour énormément de grosses boîtes, c'est l'enfer. Hein. Tu regardes. Bon, bah là, évidemment, avec Baldur's Gate. Tu regardes Half-Life. Ça s'est arrêté au 2. Tu regardes Left 4 Dead, ça s'est arrêté au 2. Tu regardes Portal, ça s'est arrêté au 2. Starcraft, ça s'est arrêté au 2. Diablo, ça aurait dû s'arrêter au 2. C'est chaud, quoi. Neverwinter Nights, ça s'est arrêté au 2. Icewind Dale, ça s'est arrêté au 2. Il y a des choses, hein, c'est... Voilà. Il y a des choses qui ne trompent pas.
le 3, c'est jamais une bonne idée. Ouais, c'est prêt, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Ah, démarrer son four à 23h du Dul. Ça, c'est du génie. T'as fait pas mal les saisons sur Diablo 3, mais je trouve que le système de parangon tue le jeu. Bah après c'était un peu obligatoire quand même de qu'il fasse quelque chose pour l'endgame parce qu'il y en avait pas, tout simplement. Donc moi c'est pas tant le système de parangon qui me gêne, c'est le système de ben qu'est-ce que le jeu propose pour le endgame. Mis à part faire des failles à l'infini. Et le plus rapidement possible. Ah, t'as un peu de décalage entre ta voix et la cam. Sérieux? Ah. Merde. Ouais, mais là, je peux rien faire, par contre. C'est un peu la merde. Ça continue, le décalage, là? T'as aucun décalage, toi? Ouais, Forgeune fait peut-être juste un petit pause play sur la vidéo. Ça va peut-être se remettre directement, je pense. Non, pour moi, le gros souci de Diablo 3, c'est qu'il n'y a pas de endgame, quoi. Ils ont essayé de faire quelque chose. Alors, c'est toujours mieux qu'avant sans Reaper of Soul, mais c'est totalement useless, quoi. Enfin, pour moi, j'appellerais même pas ça des saisons, parce que franchement, y a rien à faire de spécial, quoi. C'est extrêmement triste. Enfin, pour moi, c'est triste, parce que ça m'encourage pas du tout à jouer. Si c'est pour farmer 50 fois le truc, bon, c'est un peu dommage. Pas grave, de toute façon, je devais aller me coucher. Demain, je dois aller me faire chier au boulot. Eh ben bon courage et bonne nuit, Forgeune, merci d'être resté, merci d'avoir veillé si longtemps aussi. Merci beaucoup. Et puis ben à demain. Puisque demain, on restreamera. Et je te souhaite une bonne nuit, évidemment. En espérant que tu te fasses moins chier au travail. Mais je crois que ça va être compliqué. A ton avis, Diablo 4 va bider aussi? Non, je pense pas. Après, c'est pareil, on a tellement rien vu de D4 pour le moment. Après, de ce qu'on en voit, et là je parle uniquement de ce qu'on voit, c'est quand même une sacrée reskin de D3. Après oui, on peut re-répartir ses points, je crois. Bon. Après franchement, je suis pas j'ai pas du tout été convaincu par ce que j'ai vu. Après c'est que le début du truc, donc on va pas tout de suite leur jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais non, ça m'inspire pas à plus d'optimisme qu'avant, on va dire. Mais bon. Entrée des ruines, d'accord. J'arrive où? Je ne sais plus. Il a intérêt à être bon, des 4. Bah, ils ont intérêt à comprendre pourquoi ça a chié, surtout. De quoi on a besoin? Ok. D'accord. Des coins brisées, ok. On va juste aller là-bas pour aller chercher le TP. Il me semble que le TP est là. Chouette. Ok, on y retourne. Avec la suite d'annonces qui ont été faites depuis 3 ans, pardon, ils sont attendus au tournant. Ouais, enfin, je pense qu'il y a eu surtout l'épisode Diablo Immortal qui a complètement tout pété, quoi. Ça, malheureusement, ils ont fait une énorme erreur de communication.
Et ça les poursuivra jusqu'à ce que le 4 sorte et qu'il soit, on l'espère, bon. D'ailleurs, je suis extrêmement étonné que Diablo Immortal ne soit toujours pas sorti. Ça me paraît un petit peu bizarre. Donc en plus, ils se sont flingués eux-mêmes et en montrant un jeu qui... ça fait combien ? Ça fait 2 ans que ça a été présenté, Diablo Immortal. Qui n'est toujours pas sorti. Donc voilà. Donc ils auraient mieux fait de faire comme Bethesda. Ils auraient montré un screen à la con de Diablo 4 et c'était exactement pareil. Voilà. Ah ouais, on a un jeu qui arrive, mais c'est sur mobile, mais ça sera pas. Voilà. Ça sera un spin-off de Diablo, ça sera rigolo pour ceux qui jouent sur téléphone et voilà. Mais non, là ils sont. Là ils ont fait une erreur incroyable de communication. C'est assez alarmant ce qu'ils ont fait. Aberrant et alarmant. Ouais, toujours pas de mana. Je sais. Hop. Bing. Voilà. Mes points. J'ai mis mon point, mais pas mes points de skill. Donc, le dernier. Bing. Donc il y avait ça, ensuite faux bourré jusqu'à tempête corrompue. Non, D4 sera le premier Diablo, sans Diablo, à moins qu'il revienne avec un Deus Ex Machina du cul. Ah ouais, à mon avis, faudra compter quand même sur Diablo. Ça s'appelle Diablo 4. Hein. Bon. Dans le 2 il est revenu, dans le 3 il est revenu. Ouais, y a pas de doute. Hein. Enfin moi j'en ai pas des masses. Hein. Un jeu qui s'appelle Diablo 3 où il y aurait Diablo 4 pardon et qui aurait pas Diablo. Je trouverais ça relativement étonnant. Comme Blizzard sous-traite et c'est la merde. Oui, bah oui. Bah dès que c'est pas eux, et coucou Galadi, mais dès que c'est pas eux qui font leur truc, ben ça chie dans la colle, comme d'hab. C'est pas étonnant. Enfin moi personnellement ça m'étonne pas. Surtout qu'à mon avis ils ont dû presser les mecs par rapport à Warcraft 3. Ils ont dû les presser comme c'était pas permis. Donc forcément, bah, ça fait de la merde. Dudule, tu penses que Diablo peut mourir réellement? Jamais. Au pire, il revient pas pendant 1000 ans. C'est tout. Il reviendra toujours. Il y aura bien un connard qui va faire une... Une petite connerie pour le faire revenir. Enfin, il y aura toujours un truc. Il y aura toujours un truc pour faire revenir Diablo. Là-dessus. Il y aura toujours des humains à la con pour dire ah non mais Diablo, bon, il est peut-être pas si méchant que ça. Je crois en lui. Il a changé. Il ne voulait que notre bien. Ou alors, ça sera des fous. Ouais. Le Biki va faire revenir Diablo. Bah, faudrait peut-être que tu en reprennes des Biki, Dudule, si tu veux le faire revenir. Oh là 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 là. Ouais, calmez-vous. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, on avait dit pas Christophe Maé. Hop, ça j'aime pas. Ça congèle et j'ai pas envie d'être congelé. Je pense que je manque un peu
manque toujours un peu de patate, je trouve. Puisqu'il manque, c'est juste de l'anti-stun, là, ce serait pas mal d'avoir ça. Et bing, dans tes dents. Un harnois cortosien. Tempête déchaînée. Bonne résistance. Meilleure capacité offensive. Ouais. Je perds un peu de DPS. Bon, soit. Ce n'est pas grave. Enfin bref, non, j'en attends pas. Je préfère rien attendre de Diablo 4 en fait. J'espère être juste surpris. Après, vu comment le développement a été chaotique, bon. Je crois qu'ils auront reboot deux fois du début parce que finalement ça leur plaisait pas ce qu'ils avaient fait. Le problème, c'est qu'ils ont tellement rien proposé avec Diablo 3 que c'est compliqué. Hein. Puis ben, PoE a pris de la place quand même, hein. Qu'on le veuille ou non. Grim Dawn a pris de la place également. Où il a repris sa place. Comment ? Celle qu'occupait avant Titan Quest. Donc, ouais, ça va pas être. Ça va pas être simple. Plus le PoE2 qui s'annonce. Il va falloir qu'il fasse bien les choses. Hein. Après, il y aura toujours une poignée d'irréductibles qui diront que Diablo 4 c'est le meilleur. Le meilleur hack and slash de tous les temps, hein. Juste après Volsen évidemment. Coucou sous l'insane évidemment. Oh putain. Ah d'ailleurs c'est bon, il a arrêté Volsen, il est reparti sur Diablo 3. Hein. J'ai dû le voir dans mes chaînes recommandées. Putain, je suis allé le voir une fois, je l'ai toujours dans mes chaînes recommandées quoi. Putain. C'est terrible. Ah oui, c'est du coup Genialo, c'est aussi souvent un stream d'élation ici. Hein. faut s'y faire un petit peu, mais bon. On reste cordial, mais bon. Quand des gens t'annoncent que Volsen c'est le meilleur hack and slash. Bon. Que le jeu il est même pas sorti. C'est quand même compliqué. Bah apparemment ouais, je sais pas si c'est correct, mais j'ai vu un chiffre comme quoi ils avaient vendu 1 million d'exemplaires de Volsen. C'est quand même assez stupéfiant. Vu la dope que c'est. Vu le travail qui a été effectué. T'as vu tout le monde aller dessus. C'est déjà que ça va être de la merde. Bah après pas forcément, mais là on parle même plus de. Enfin en plus au début il y avait c'était blindé de bugs. Il y en a toujours autant. Là le truc qui m'a fait péter un plomb moi c'est que ils ont même pas testé leur dernière. Tu sais la dernière roue du. Désolé je te tutoie. La dernière roue du de leur truc là. De leur arbre de passif. Non non, on l'a pas testé, on la met, on verra bien. Waouh, ça fait vachement pro. Pour un jeu qui sort officiellement, hein. C'est pas la bêta ou l'alpha de machin. Non non. On sort un truc qu'on n'a jamais testé, d'accord. Là, visiblement, ils auront encore changé des choses dans les patch notes et ça marche toujours pas.
Ils ont confondu, je sais plus, il y a un truc de résistance, je sais plus quoi, enfin... Les mecs, quoi, putain. À un moment donné, il faut un peu de sérieux, quoi. Il faut que le jeu prenne en maturité. Si on prend tout avec un slash, il souffre. C'est souvent, pardon, affreux au début. Ouais, non, mais c'est clair. Mais là, le problème, c'est que c'était... Là, il y avait trop de choses. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bugs, quoi. Enfin, là, c'est même carrément des choses qui n'ont même pas été testées, quoi. RPO, il est quand même sorti dans un état assez lamentable. Mais ça marchait, quoi. Merde, je suis en train de faire du caca. Là, t'as des calculs qui sont pas pris en compte. T'essayes des builds, ça fonctionne pas. Même vendre un item, t'es obligé de t'y reprendre à 3 ou 4 fois pour que l'item soit pris en compte pour être vendu, quoi. Enfin, mais moi, personnellement, j'en ai fait des jeux à leur sortie et tout. Je pense que c'est la première fois que je joue autant de bordel sur un jeu qui sort officiellement. Même pas en bêta, hein, qui sort officiellement. Officiellement, j'ai jamais vu ça. Et c'est triste parce que le gameplay a l'air bon. Derrière, il y a de l'idée, il y a de la recherche et tout. Mais c'est tellement mal appliqué, quoi. Enfin, c'est... Là, du coup, c'est même plus mal appliqué. C'est même pas appliqué, même pas essayé. Fait, ouais, vas-y, Jean-Rémy, va mettre un node en plus, là. Il y en manque un. Je mets quoi? Ouais, mais ce que tu veux. T'inquiète pas. T'inquiète pas. On corrigera au pire. Ok. Ok, mec. Enfin, là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Pourtant, je suis relativement patient, mais... Là, les hitbox des chauves-souris qui sont complètement pétés quand t'es à l'arc, ou quand t'es à distance, enfin... C'est quand même ouf d'en arriver là, quoi. Ok. Ouais, puis, bah après je sais pas si ils ont commencé à craquer par rapport à la hype, mais enfin c'est pareil, c'est un jeu qui a eu du mal à sortir, ils l'ont reboot, il y a eu beaucoup de choses. Non, Dudul, faut pas me lancer sur ce genre de choses, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouais, je pense surtout que ils auraient dû avoir plus de temps de développement. Sauf que, ben, forcément, vu qu'ils ont déjà reboot une fois le truc, ben, les mecs, ils ont dit, ben, un moment, faut le sortir, votre jeu. Parce que sinon, on va plus financer. Et les mecs, ils ont fait, vas-y, on cale le plus de trucs possible, puis on corrigera tout plus tard, quoi. Donc, voilà. Et je trouve que c'est pas une très très bonne chose, c'est pas très très élégant non plus. D'ailleurs, et le petit passage, parce que du coup ça fait passer tous ceux qui ont acheté le jeu plein de balles, hein, comme moi, 35 balles, hein, quand même, pour des vaches chalées, hein, pour des bêta testeurs. Et moi je me refuse à bêta tester un jeu, c'est pas mon boulot, il y a des gens qui sont là pour ça. Donc très bien, ils ont pris mon pognon, bah, on verra dans un an si c'est cool. Si c'est cool, bah, on y jouera un peu, on verra ce que ça donne. Mais sinon, bah écoute, il restera au fin fond de mes jeux Steam, comme plein d'autres, et puis voilà. C'est tout. Mais j'aurais quand même eu l'impression de m'être fait un petit peu voler, quoi. J'ai d'ailleurs demandé un refund sur Steam. Ma première demande de refund.
Les mecs, ils ont rien voulu savoir. Putain, ils ont pas lâché le morceau. Je leur ai envoyé des copies d'écran, des copies de vidéos, des clips et tout. Enfin, non, le jeu il est buggé. J'ai envoyé, je sais pas, j'ai envoyé un truc de de 7 à 8 paragraphes et tout. Oh, les mecs, j'ai une vieille réponse de bot. Ah, vous avez joué plus de 2 heures, bah c'est mort. Ok, bah ouais, mais en même temps, voilà. Si j'avais joué que 2 heures, j'aurais peut-être pas. J'aurais peut-être pas vu tous ces bugs là. Mais bon. Donc il restera là, sagement. Puis voilà. Ce n'est pas grave. C'est juste 35 boules dans le cul, quoi. Alors que j'aurais pu m'acheter la cette époque. C'est un peu ballot. Ouais, bah c'est ce qu'il faut faire de toute façon, génial. Franchement. Tu vois, je m'étais dit, bon, c'est un jeu français. On va un petit peu soutenir le truc et tout. Et voilà, je savais qu'il y aurait des bugs, comme d'habitude, dans tous les lancements, le online qui marche pas, etc. Mais bon, ça, OZEF. Mais je m'attendais franchement pas à ce que le jeu, ça soit une. Enfin, ça soit dans un état de délabrement tel, quoi. Donc, ouais. Un peu gravement deg. Mais bon, c'est comme ça. Les saignements, c'est quand même goldé. Putain, 87%. Je vais avoir du mal à trouver mieux que ça. Ça va être dur. Entrée des ruines. Go. 23h22. Je crois qu'il y a le boss qui est ici. Si je dis pas de conneries. Oh, 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 oh. Faire un petit peu. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors? Bah, avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce trou du cul? À quand Pokémon Donjon Mystère? Ah, c'est vrai. Bah, je pourrais faire la démo, mais c'est tout. J'ai pas assez de pognon, mon cher Alta. Là. C'est compliqué. Il y a plein de jeux que j'aimerais faire, mais non. Pokémon Donjon Mystère, il restera à sa place pour le moment. Je sais même pas s'il est bien d'ailleurs. J'ai même pas vu, j'ai même pas fait la démo, j'y ai même pas touché. Rien à foutre. On va vendre déjà les trucs qui nous servent pas. Hop. Après le reste, ça peut rester, c'est pas grave. Moi, à une époque, je voulais faire vœux de pauvreté. Et alors? Bah avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Et ça, c'est un vrai problème, le blé. Bon, au fur et à mesure de tes bits, peut-être que ça va. T'as encore 1457 bits à donner, c'est long. Putain, c'est pas possible. Putain. Le mec, juste pour faire cher. En fait, je pense que t'avais fini tes bits. T'as racheté 1500 bits, pardon, juste pour être à 1 au-dessus de Chido. Putain. Le pire. C'est pas possible. Ça sèche à crôler. T'as régénéré 3, c'est pas mal.
Je perds beaucoup de DPS. Ouais, je perds pas mal de... Par contre, je gagne de... La durée d'étourdissement réduite. Ça, c'est bien. Mais je perds résistance à l'éther et surtout la résistance au poison. Je perds 41%. Un peu chaud, là. Un peu chaud. A plus tard, vieil homme. Tout à fait. Bon. On va aller défoncer encore le beau sou. J'avais tout ramassé là. Ouais. Alors, je crois qu'il est assez pénible. Ah, il est surtout extrêmement... Putain, il a beaucoup de vie. Et du coup, c'est chiant, ça va être lourd. Barrez-vous, merci. Mais genre tu m'esquives. Mais plus quoi encore. Et repasse par là. Oh. Comme ça, random, pas mal. Et reviens par là. Reviens par là, je te dis. Hop. Merde, le con. Faire du hit and run. Oh non, ça par contre, jamais de la vie. Yes, ça touche. Pas mal. Hop, allez, reviens vers le totem. Merci. Elle décède avec mes totems. Allez, vas-y. Voilà. Bah easy, ça passe. Tranquille. Martel point du golem. Ouh. Ah, des dégâts de trauma. Faudrait que je fasse un build sur les dégâts de trauma, tiens, un jour. Ça peut être rigolo. Lui, ces épaulières là. Sympa. C'est rigolo. Ok. Bah très bien. Un petit hôtel. Hop, un point de dévotion en plus. Ce qui est toujours une bonne chose. Alors, mon petit point de dévotion. 15 de physique. De vitesse de déplacement et de la résiste à la perforation. Cool. Excellent. Ah, pendant que j'y pense, génialo, je vais faire un peu de pub pour alors pour diverses personnes. Donc tu avais Dudul qui mange, donc qui stream streamer multigaming, comme on dit. Il change quasiment de jeu tous les jours. Donc, sauf quand il joue à son GOTY. Mais vu qu'il a plein de GOTY différents, c'est compliqué. Là en ce moment, il est sur Divinity, Arcanum, Baldur's Gate. Enfin, voilà.
C'est Dudul, il joue à plein de jeux. Il y avait Forgeune tout à l'heure qui joue en ce moment, à Hearts of Iron 4, donc les jeux Paradox qui ont 27 milliards de DLC. Donc des jeux où tu fais la guerre. La vraie guerre. Et si tu veux un streamer lié à Grim Dawn, je te conseille Equinox qui stream du Grim Dawn. Alors je sais pas si c'est. Je crois que c'est deux fois par semaine, un truc comme ça. Et tu peux retrouver en plus ses vidéos sur YouTube. Donc ça peut être sympathique. Ouais, moi je fais de la pub pour les autres, moi je suis comme ça. Ils m'ont rien demandé, mais j'incite les gens à aller les voir quand même. Et il y a Alta, qui stream une fois par an. Donc dernièrement, il avait streamé Suikoden, du Bonto pendant 3 heures. Donc évidemment, l'éclat total. Donc on attend l'année prochaine pour un nouveau stream sur un jeu, peut-être Grandia. Voilà. Merci pour... Ah non, mais je suis comme ça, moi, je... Voilà. Joie de recevoir, plaisir d'offrir. C'est ce qu'il faut. Non, c'était pas là. Calderos. D'accord, non. Bon, bah, ok, je me suis planté de route. Ah, mais si, je suis con, je pourrais peut-être. Hop. Et partir aux chutes jumelles. Je crois que c'est là-bas. Ah, tu connais Equinox? Moi, ouais, à une époque, je voulais faire Veuve Pauvreté. Et alors bah, avec voilà. Le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Voilà, et évidemment, il y a le plaisir d'offrir d'Alta, qui est toujours extrêmement généreux. Enfin, il s'est découvert une passion pour me donner des beats. Je peux dire que j'ai un petit peu le fionfion en chou-fleur. Ça pique. Ok, donc non, c'était pas là, je me suis planté. Oh putain, c'est... Les marches du tourment, putain. Marche du tourment. Je sais plus. Est-ce que... Mais non, n'importe quoi. Qu'est-ce que... Non, donc ça doit être là-bas. Et ça doit être... Il me semblait que c'était le mec qui était juste... Non, c'est pas toi que je cherche. Ah non, c'est Barboluc. Rien à voir. Merde, j'y... Pourquoi j'ai mis un totem? C'est pas grave. Non, et cicatrice... Ah si, c'est bien ça alors. C'est bien ça. Oula, vous êtes revenu d'entre les morts vous. Qu'est-ce que vous faites? Faites là bordel. Cassez-vous. Ouais bon, j'ai pas le temps. Ouais, du coup ça aurait été mieux que je sois là-bas en fait. Bon, peu importe. Ah oui, ce totem là, tiens. C'est étonnant que je l'ai pas fait. Hop. What's up? Hop, 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 hop. Le chameau. Mais laissez-moi tranquille. Arrêtez d'être vilain. Oh le stun, oh putain. Oh les stuns de l'enfer. Ouais, je suis décédé. Ouais, c'était sûr. Zout. Hein. Un peu nul en plus ce décès. Hein. C'est pas grave. Il pique hein, dans les gros bordels. Je suis fort désappointé.
Oui, putain, je me suis replanté, c'est pas possible. C'est celui-là. C'est pas celui-là. Moi, celui que je veux, c'est... Ah bah non, c'était ici, c'est l'entrée. Bon, on va y retourner, c'est pas grave. On va leur montrer qu'on n'a pas peur. Faut vraiment essayer de les kiter ceux-là aussi. Putain mais... Allez, hop, un de moins déjà. Il y en a une fois qu'ils sont au corps à corps, mais ils sont nuls à chier. Tu sais pas trop pourquoi, mais bon. Ils font plus rien. C'est extrêmement bizarre. Corne de gemme infernale. Feu, éther, brûlure. C'est rigolol. Massacreuse vorace. Mâche une main et un bouclier épique. Ok. Je prends. Hein. Et une arbalète, évidemment. Que j'ai complètement besoin dans ce build. Allez, allez. Par là. Quel down dans l'émerge du tournoi. Ok, bon, il s'en fout en fait. Super, j'ai fait tout ça pour rien. Je suis extrêmement heureux. Bah, je vais aller finir ça là-bas. Tout ce bordel. C'était point grave. Après, je sais pas s'il y a d'autres streamers FR. Merde, mais non, c'est pas là que je veux aller. Je sais pas là que je veux aller. Je l'ai dit, c'est pas là. Et ça, je vais être encore planté. Donc, je disais, ouais, je sais pas s'il y a d'autres streamers FR de Grim Dawn. J'ai pas trop regardé, je t'avouerai. C'était plus sur YouTube que j'avais vu Equinox, donc je me suis dit tiens, c'est pas mal. Bon après il fait des jeux qui m'intéressent pas spécialement non plus. J'ai vu qu'il faisait Metro Exodus, etc. Mais c'est pas trop mon... pas trop ma cam. Mais bon. Il y a des trucs de survie, etc. Mais ça, c'est pareil, c'est pas trop mon... pas trop mon genre de jeu. Je suis très... je joue que à des hack and slash et des... et des RPG, alors... ça commence à s'éloigner de mes sentiers battus. Ça m'intéresse beaucoup moins. Malheureusement. Mais on ne peut pas jouer à tout dans la vie. Il faut faire des choix. Et j'ai fait le bon choix. Ou pas. Il y a de temps en temps, mais je regarde aussi les US et ouais, tout ce qui est, tous les anglais. Je regarde pas trop tout ce qui est anglais. Enfin, c'est rare. Ou quand je passe dessus, je reste pas longtemps. Quoi. Je regarde un petit peu ce qu'ils font, mais... mais c'est tout. Ça va dépendre des builds aussi. Il y en a pas mal qui aiment bien jouer des buts complètement pétés, etc. Fort heureusement, il y en a... franchement, il y en a très peu dans le game des bulles vraiment... vraiment pétés. Je crois même qu'il y en a quasiment pas. Ils sont tous plus ou moins intéressants, donc c'est ça qui est cool. Donc, tu peux toujours partir sur des trucs et te rattraper. De toute façon, tu peux... tu peux rallouer tes points pour pas très cher. Je sais pas si pour les dévotions c'est pareil, je me rappelle plus.
Mais ouais, c'est plutôt intéressant. J'aime bien le système. Enfin, vraiment de builder comme tu veux, et bon, soit tu t'emmerdes pas, tu choisis ton build, t'essayes de le suivre, ce que je fais, puisque je suis pas assez, j'ai pas le temps pour me faire un petit build, etc. Donc j'essaie des choses, il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins, mais il y a quand même la dose de trucs cool. Putain, je fais totem 5 totems 3 4 5 totems boule 3 4 5 totems boule et voilà, et c'est bourré des jambières. Ça rend encore une quinzaine de minutes. Un petit coffre. Chapeau de déchire-ciel. Stylé. J'aime bien. Puis après, c'est pareil, c'est des fois. Tu regardes, t'as une pièce d'équipement, tu fais ah putain, ça c'est pas mal. Comme tout à l'heure avec le trauma et tout, le marteau. Et puis, vas-y, faudrait que je teste ça. Donc tu cherches un build après. Lié à ça. Tu peux aussi récupérer les points de dévot, ouais. Et à l'acte 7, tu trouves même des potions pour reset les stats et les dévots. Ah ouais? Je me rappelais plus de ça, tu vois. Bah, vu que j'ai très peu continué au-delà, voilà. Et le plus loin où je suis allé, c'est j'ai fait le jeu de base. J'ai fait Malmeuf. Et ensuite, j'ai commencé Forgotten Realms. Et j'ai lâché. J'ai fait autre chose. J'avais un build. Je sais plus ce que c'était. C'était avec des pets. Et j'ai lâché le jeu à un moment. J'ai joué à autre chose. J'ai voulu m'y remettre. Je comprenais plus comment ça se jouait. J'ai fait ok, fuck. Je vais faire autre chose. Voilà. Bravo Carzo. C'est pour ça que je fais ce genre de jeu en stream, comme ça je m'impose d'y jouer quand même régulièrement pour pas me perdre, surtout. Je suis à combien là? 37, 38, 39, 40. Ok, donc dans deux levels je pourrais transformer mes dégâts de foudre en vita et ça va être bien. Tu as regardé le catch en version québécoise? Oh là là. Mon dieu. Ah non, mais moi c'est tout le temps. C'est un peu mon problème sur Game Dome, c'est que c'est. Ça manque de quelque chose. J'arriverai pas à dire quoi. Ça manque de. De trucs épiques au niveau des musiques, au niveau des. Je sais pas. Il manque quelque chose. Mais sinon, ça serait largement. Un de mes top jeux. Ever. Parce que les possibilités pardon, de build sont vraiment immenses. Mais il manque un petit truc quoi. Donc, le fait qu'il soit relativement long, c'est peut-être aussi un problème pour aller de des pics en ultimate, etc. C'est un peu dommage. Surtout quand t'aimes bien explorer comme moi, tu vas explorer tous les recoins et tout. C'est un truc un peu chiant, je trouve. Je trouvais qu'il y avait déjà ce même problème sur Titan Quest, bizarrement. Donc c'est peut-être trop de longueur et des trucs où ça devrait aller un peu plus vite, où tu vas pas plus vite. Et c'est un peu dommage. Ah, Julius. Tu rushes le normal et l'élite? Ah ouais. Tu fais pas de quête secondaire ou quoi? Parce que du coup tu perds peut-être plein de points de dévotion, des trucs comme ça. Je suis surtout en ultimate.
Parce que du coup, tu fais comment, toi? Pour aller le plus vite en Ultimate, tu fais deux fois le jeu de base tout seul ou tu fais jeu de base et Cheese et Forgotten Realms? Parce que ça me paraît très long pour arriver ensuite en Elite, puis ensuite en Ultimate. Hein. Parce que moi, j'étais arrivé sur Forgotten Realms. Sur mon autre perso, j'ai dû y arriver en... Je sais pas, une... Je sais plus le nombre d'heures. Enfin, je regarde, je te dirai. Mais ouais, vous ne voudriez pas que la cervelle de cette belle dame soit réparée par terre. Voyez un peu votre faille. Penji neutre toléré. Tu la butes, je te bute, mon gars. Ah, vous avez été trompé. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Faites ce que vous aviez à faire, vous méritez une seconde chance. Et hop. Et du coup, ils arrivent au passage du diable. Ok. Donc, j'ai fait toute la zone cool. Donc, je vais pouvoir partir de l'autre côté. Alors, tu fais la quête principale plus Ashes Malmouton Hall plus Hôtel de Devo. Ok. Donc, jeu de base et Ashes. Ouais, pour avoir un niveau relativement correct pour arriver en élite. Élite, quête principale jusqu'à l'acte 4. Donc, ok, la fin du jeu de base. Et après, Ultimate, tu fais tout. Vache. Et du coup, en élite, tu fais pas les dévots? Ou elles sont déjà peut-être faites et tu peux pas les refaire? On va aller voir en passage. Tic. Parce que je sais qu'il y en a qui font pas tout, ou ils font plus tard. Non, maintenant on a presque 40 dévotions. Ils sont où ces trous duc? Je sais plus. Ouais, c'est eux. Ouais, c'est un peu ça moi qui me manque, c'est le fait que ça soit trop, enfin personnellement, trop long en fait pour faire tout ça. Merde, je crois que je me suis encore planté. Donc en faisant que les dévots du jeu de base, t'as les 55, d'accord. Mais il y a beaucoup plus opti à faire, mais j'ai un peu la flemme d'apprendre la route. Ouais, c'est ça, j'ai déjà vu, il y a des mecs qui sont complètement opti, ils font les trucs à fond. Et en fait, il faudrait que je regarde peut-être un speedrun ou un truc comme ça pour voir comment... Comment faire ça un peu plus vite, mais bon, et j'ai envie de faire ça. Il faut que je prenne du temps, comme d'habitude. Et vu que je ne prends jamais le temps, c'est compliqué. Laissez-moi. Ah, je regarde pas trop le stuff là que j'ai récupéré, hein. Je ferai ça hors stream tranquillou. Je vais pas vous emmerder avec tout ça. Sinon ça va durer des plombes. Ok. T'es
tomber. Ok. Il me semble qu'il y a un élite par là de... Un élite sanglier. Si je dis pas de conneries. J'ai un souvenir de ça, je sais pas pourquoi. Bon, je vais pas me fighter contre tous les vautours de la planète non plus. Ça sert à rien. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ah non, c'est des vautours élites. Bon, bah j'ai de mauvais souvenirs en ce moment. Je vous ai vendu du rêve avec la clé squelette et tout, mais... Je retrouve plus le truc. Nul à chier, Carzo. Oh là. Reste pas dans les terres. Espèce d'abruti. Ok. Ah, évidemment, l'inventaire est plein. Des épaulettes, il m'en faut juste 4. Sans deck, y a pas de la place pour 4 là. Voilà, tout va bien. Reviens par là. Non, y a rien ici. Que dalle. Soit. Je sais plus s'il y a un truc par là. Encore un élite. Intérêt d'être ready mon skill là. Parce que le truc est juste en face de moi. Voilà. 8. Elle décède. Merci. Stilly. Bon, et quelle heure? 53. Je pense que de toute façon j'aurais pas. Je pensais pas le trouver. Le con. Et évidemment, je tombe dessus. Allez, faut bourrer. Ultra. Et puis je vais m'arrêter après ce combat. Allez, bonne nuit du coup, Dudule. Et bon match de cash, apparemment. Putain, je vais devoir faire la route pour deux putains d'items. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Je fous ça dans mon coffre. Et on verra ça demain, quand il fera jour. Quoique, j'ai peut-être deux conneries avant. De... voilà, ça, ça. Ça, c'est... Non, c'est pas un item de 7... Les dégâts d'électrocution. C'est très sympa ça. Dommage que ce soit qu'à une main. Je dois pouvoir récupérer ce bordel. Ça serait bien. Ah, je pourrais... Ouais, si, c'est bon. GG, Carzo. Est-ce qu'il y aurait un petit épée? Je ne pense pas.
Laissez-moi tranquille. Ok. Je vais être content de refaire tout ça demain. Ouais, amusez-vous avec mon totem, ça sera cool. Ouais, pareil. Putain, 20 000 élites ici, quoi. Non. Foutez-vous de moi. Ok, vous avez l'air un peu gratuit, man, les gars. Ok, ça va. Ça va. Ouais, maintenant, je ferai pas ce petit truc. Non, non, non. Ça, ça va me faire revenir là-bas. Mais c'est pas ce que je voulais à la base. Mais non, mais... Oh, putain. Garçon, arrête de faire le con. Non. Je veux savoir juste s'il y avait... Non, pas un élite. Je voulais pas savoir s'il y avait un élite, je voulais juste savoir s'il y avait... Il y a du bordel là-bas, ok. Super. D'accord. Tu m'envoies du feu. Il m'envoie du feu. Masque du héros. Good. Ouais, bah je vais m'arrêter là de toute façon. 23h57. Bon, on aura un petit peu avancé. On aura quand même eu pas mal de stuff. Je vais regarder leur stream un petit peu tout ce qu'il y a comme, comme truc. On verra bien. Moi, je vous dis à demain. Vers 21h tranquillement. On fera, continuera Grim Dawn évidemment. On continuera notre notre perso. Donc là ce qu'il nous reste à faire, prochain niveau, 8, 3 points pour arriver ici. Prendre ce point là. Et ensuite il faut maxer celui-là, celui-là. Et une fois que ce sera fait, donc il manque quoi? 9 et 9, 18. 18. 19, 20, 21, 22 points. Donc il manque 7 levels pour terminer mon arbre de chaman. Ok. 41 sera terminé normalement. Non, 8 levels. Et on aura quelques points supplémentaires. Entre 7 et 8 levels en fonction des points qu'on aura ailleurs. Bref. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Amusez-vous bien, laissez des pouces rouges, verts, bleus, jaunes, multicolores, des pouces, attention, ce soir ce sera des pouces, non, on va dire les gantelets, des pouces puissants à écailles de l'annonciateur du vide, voilà, des super pouces, ça c'est les meilleurs, je vous le dis, amusez-vous bien, bonne nuit, et bah, merci Génialo, merci beaucoup d'être passé, d'avoir discuté, et puis bah, au plaisir, il n'y a pas de souci. Ciao ciao.